La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui au 11e dimanche de ce temps de croissance, de ce temps de maturité. Et l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, qui nous vient toujours de Marc au chapitre 4e, nous donne des paraboles, des paraboles pastorales, des paraboles qui ont lien à la vie du paysan. Il s'agit dans la première de l'homme qui jette la semence, nuit et jour, qui dort ou qui se lève, la semence grandit et donne du blé. Dans la deuxième parabole, il s'agit de la semence de la graine de moutarde qui grandit, grandit et dépasse toutes les plantes potagères, étant l'ombre grand si bien comme le déteste que même les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son nom. Nous pouvons dégager deux thèmes principaux. Le premier thème, c'est le contraste. Contraste d'abord entre les débuts modestes de cette plante et donc du règne de Dieu. Dieu a toujours un début modeste, je dirais même microscopique, invisible, comme le levain de la pâte, qui n'est presque pas visible. Mais devant les puissantes politiques et culturelles de ce monde, cette graine qui a un début si modeste grandit et atteint une fin qui est glorieuse, atteint une splendeur qui dépasse ce qui était entrevu, ce qui était présent au début. Le règne de Dieu a donc une puissance de transformation, une puissance de vie gigantesque, une puissance, une espérance, une croissance immense qui nous donne de comprendre que nous, qui sommes des enfants de Dieu, nuit et jour, en nous, le règne de Dieu grandit. Il commence modestement, mais à la fin, c'est quelque chose de grandiose, de merveilleux. L'autre dimension qu'on pourrait relever dans cette parabole, c'est la dimension effectivement de la croissance. Il y a un dynamisme interne dans la graine de blé, dans la graine de moutarde. Le texte dit, le paysan, qu'il dorme ou qu'il soit éveillé de jour et de nuit, d'elle-même, la graine grandit. Il y a une vie interne dans la puissance du royaume scellé dans nos cœurs qui fait que le paradis n'est pas perdu en arrière, il est devant. Le règne de Dieu est une puissance en comme on disait à l'école, qu'il grandit, qu'il arrive vers l'atteinte de la sainteté. Il n'y a pas une régression. Il se pourrait qu'il y ait des hauts et des bas, mais dans une dynamique de progression qui ne s'arrêtera plus jamais. Il y a donc une espérance que nous révèle la deuxième lecture. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans notre corps. Oui, c'est la vertu de l'espérance que nous devons comprendre qu'en nous, il y a le déjà-là du règne des cieux. Ce n'est pas encore toute la splendeur, mais il y a cette croissance qui ne s'arrêtera pas. Notre petite force est donc enveloppée par la grande puissance divine. Malgré la pseudo-victoire éphémère du mal, le règne de Dieu aura le dernier mot. C'est ça notre foi. Oui, c'est Dieu qui règne, c'est le Seigneur qui règne. Ce règne progresse petit à petit. Je moi, on dit c'est la ratouille. Petit à petit, le règne de Dieu grandit. Il fait son en nous, dans notre famille, dans notre paroisse, dans notre diocèse, dans notre congrégation. N'ayons pas peur des pseudo-victoires. Soyons plutôt de ceux-là qui, se laissant emporter par la puissance de la vie divine, vont dans une croissance dynamique, dans une croissance qui ne s'arrêtera qu'au dernier jour, quand Dieu sera tout en tout. Amen. Et que Dieu puisse en bénisse le Père, le Fils.
et le sinistre. Bon dimanche. Souffle tout.